C'est le moment où Élisabeth doit accoucher et elle met au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa famille apprennent cela. Le Seigneur est grand. Il a été très bon pour elle et ils sont dans la joie avec Élisabeth. Une semaine plus tard, ils viennent pour faire circoncire l'enfant. Ils veulent lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère prend la parole. Non, il s'appellera Jean. Ils lui disent, « Dans ta famille, personne ne porte ce nom-là. » Et ils font des signes au père pour lui demander, « Comment veux-tu l'appeler ?» Zacharie demande quelque chose pour écrire. Il écrit, « Son nom est Jean. » Tous sont très étonnés. Au même moment, Zacharie peut de nouveau parler. Il chante la bonté de Dieu. Alors, tous les voisins ont peur. Et dans toute la région des montagnes de Judée, on raconte tout ce qui s'est passé. Tous ceux qui apprennent cela le gardent dans leur cœur. Ils se demandent, quel sera l'avenir de cet enfant? En effet, la puissance du Seigneur est avec lui. Puis Zacharie, le père de l'enfant, est rempli de l'Esprit Saint. Alors, il parle comme un prophète. Chantons la louange du Seigneur, Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple. Il le rend libre. Il nous donne un grand sauveur dans la famille de David, son serviteur. Il avait annoncé cela depuis longtemps. Oui, il avait dit par les saints prophètes, « Je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. » Ainsi, Dieu a été bon pour nos ancêtres. Aujourd'hui encore, il se souvient de son alliance sainte. C'est le serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Oui, il avait dit en parlant de nous, « J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis. Alors ils pourront me servir sans avoir peur. Ils pourront être saints et justes devant moi tous les jours de leur vie. » Zacharie dit encore, « Et toi, mon enfant, on t'appellera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin. Voici ce que tu annonceras à son peuple. Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. » L'enfant grandit et peu à peu, il devient adulte. Il vit dans un endroit désert jusqu'au jour où il va se montrer au peuple d'Israël.